أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، j'ai le sourire parce que je pense déjà à ce que je vais vous dire. Nous allons parler d'une chose extraordinaire qui est la dualité, d'une part l'homme, d'autre part la femme, si différents l'un de l'autre, et pourtant si compatibles, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Le verset sur lequel nous allons méditer est « Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun » ce qui signifie « Elles sont un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour elles. » Plusieurs choses à mentionner, et je vais essayer d'être concis. Premier élément, ce verset s'adresse au mari, mais il informe les épouses d'une réalité. Elles sont pour vous, ô vous les hommes, un vêtement. Et vous êtes pour elles, ô vous les hommes, un vêtement. Ici, on s'adresse aux hommes, et les femmes reçoivent aussi une information. Deuxième élément, la structure du verset exprime la dualité. Hunna, libasun lakum. Antum libasun lahun. Donc on a d'une part hunna qui est elle et on a d'autre part antum qui est vous. Au milieu on a le même mot, libas. Le même mot qui est utilisé pour les hommes et pour les femmes malgré toutes leurs différences. Pourquoi? Parce que le rôle est commun. Protéger. Aimer. Assister. Et enfin on a lakum pour vous, les hommes, et la hunna, pour elles, les femmes. On a le verset, trois mots, et en fait, on a une dualité, et on a une division entre les deux. Troisièmement, hunna libasun lakum. Lakum, ici, le lem signifie la possession. Elles sont un vêtement pour vous, que vous possédez. Vous possédez vos femmes. Oh, on va me dire, oh, mais comment ça, les hommes possèdent les femmes? Mais c'est pas fini. وَهُنَّ لِبَاسٌ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. Et vous, vous êtes un vêtement pour elle, et elle vous possède. Ici, la possession, ça ne signifie pas forcément l'absence de liberté. Ici, la possession signifie le fait de se consacrer à l'autre. Mais écoutez bien, pas pour l'autre, pour Allah. Et c'est là où l'amour que tu vas ressentir pour ton épouse, ou l'amour que vous, ma sœur, vous allez ressentir pour votre époux, pour avoir une valeur d'éternité. C'est quand tu ne le fais pas simplement pour ton mari, mais que tu le fais pour Allah. Quand tu obéis à ton mari, pour Allah. Quand tu combles ton épouse, pour Allah. Lorsque tu donnes de l'affection à ton épouse, pour Allah. Lorsque tu l'écoutes, pour Allah. Je ne suis pas en train de te dire que tu n'as pas de sentiments, mais je suis en train de te dire de sublimer tes intentions et de sublimer tes sentiments. Ne pas enfermer tes sentiments dans une dimension uniquement éphémère de la vie d'ici-bas, mais sublimer tes sentiments vers la dimension de l'au-delà, afin que cela reste. « Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq » ce qui signifie « Ce qui est auprès de vous s'épuise, alors que ce qu'il y a auprès d'Allah reste pour l'éternité. » On va finir par quelques réflexions. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Le vêtement a trois rôles principaux. Premièrement, nous protéger de la chaleur. Deuxièmement, et de la morsure du soleil. Deuxièmement, nous protéger du froid. Et troisièmement, nous embellir. Excusez-moi, il y en a une quatrième. Et quatrièmement, cacher nos défauts. Voilà ce qu'on doit faire. Nous protéger de la chaleur et de la morsure du soleil, c'est nous assister durant les épreuves. Nous protéger du froid, le froid de la solitude, c'est être là pour l'autre, savoir l'écouter, lui parler, le conseiller, la conseiller, agir. S'embellir, c'est la femme qui va toujours préserver l'honneur de son mari et le mari qui va préserver l'honneur de sa femme. Il va embellir la personne auprès des autres,
mais auprès de lui-même. Lorsque ton épouse a mal agi ou lorsque ton épouse a fait une erreur, mais qu'elle est sincère dans ce repentir, sache embellir sa personne. Et inversement pour les femmes, sachez embellir les personnes de vos maris. Et enfin, dernier élément, c'est là pour cacher les défauts. Nous avons un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il nous dit « Men satara abdan fi dunya, satarahu Allahu yawm al-qiyam » Ce qui signifie « Celui qui a caché les défauts d'un adorateur, d'un serviteur dans la vie d'ici-bas, Allah Azza wa Jal cachera ses défauts au jour du jugement. » Je demande à Allah Azza wa Jal de faire de nous des hommes et des femmes qui vivent selon le Coran, qui respirent selon le Coran, qui éduquent leurs âmes selon le Coran, qui aiment selon le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui éduquent leurs enfants selon le Coran, qui s'éduquent eux-mêmes selon le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Muhibban fillah, à très bientôt inshallah. À très bientôt inshallah. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علمنا جميعا يا رب العالمين وأن يبارك فيكم جميعا. On demande à Allah عز وجل qu'il donne de la bénédiction dans nos connaissances et qu'il vous bénisse tous et toutes autant que vous êtes يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب